Messieurs, dames, la famille, la société, tous les amis, frères, accès, compatriotes, et tous les collaborateurs qui connectent nous tout partout dans le monde. Bonjour, bonsoir pour nous tous. Et dans le micro, c'est toujours amis, nous, collaborateurs, nous. Merci Dieu. Et si avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous tous gagnons pour l'autre, toute équipe là avec nous, contre la contre eux. Et nous remercions pour support, pour collaboration. Merci ou fait choix de nous pour capable informer. Merci pour fidélité et patience. Jeudi, c'est jeudi. Nous vivons jeudi 6 avril. Nous espérons que vous êtes bien dormi, que vous avez passé une très bonne nuit en bas protection. Bon Dieu la vie. Zansetio avec toute nation guinéenne. Et bien toute équipe là à la ronde Baden. Nous déjà motivés, mobilisés pour nous porter pour toute nouvelle, toute information qui a bouleversé la ville pays d'Haïti. Nous pourrons le partager avec le journal créole Méga Matin. Je nous tout, nous déjà connaissons, Méga, c'est Pigo Réseau Radio Haïtien sous la Tébéni, avec un staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. 5h du matin, démarrer journée avec Méga Matin. Vous connaissez tout ça qui a passé dans la province, tant que d'autres prises, dans la diaspora, à tout l'autre côté sur la terre. Méga Matin, journal créole Radio Méga, côté vérité son priorité. Méga Matin, 5h, 7h du matin, nous baille plus d'informations de tout l'autre côté. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans États-Unis. Quatrième sortie journal Méga Matin, c'est Kounia, jeudi à 16, jeudi 6 avril 2023. Bonjour, bonsoir tout le monde, toujours avec un même plaisir, même fougue, la même détermination. Pour nous débattre notre chaque information si là. Bonjour, bonsoir avec Marcel Joseph qui a fait travail technique pour nous en Haïti, ou la trier collaborateur aux États-Unis. Bonjour, bonsoir Jean-Willer Sévère. Bonne journée, jeudi, messieurs. Bonjour Blaise Peterson, bonjour Marcel Joseph, bonjour, bonsoir tout le monde. Rapidement, quel problème que vous développez dans le journal là pour matin, jeudi 5. Après pays et Canada lui-même a été sanctionné, c'est un président chambre député à Garibaldi. Mais fois ça, c'est le département trésor américain qui lui-même sanctionné. Garibaldi a eu mercredi 5 avril. D'après autorité américaine, ancien parlementaire a participé, n'a créé conditions pour n'examiner Taïbada en d'un pays. Dans le même document, ça, autorité américaine a révélé dans l'année 2019, 600 millions de gouttes ont été distribués par les députés pour faciliter la ratification du premier ministre et c'est ancien président chambre. Garibaldi qui t'est mené négociation. Yo. Directeur général HGDA, Julcel Edouard, ancien directeur Romel Bell, qui interdiction pour ne pas quitter le pays à la. Selon un document qui potentiel, juge instruction, Jean-Willer Mourin. Une décision illégale d'après le commissaire gouvernement Port-au-Prince, Jacques Lafontaine, non lettre livrée par le ministère de justice, il fait qu'on est jugement et violé article 90 code pénal, article 18 code instruction criminelle. Pour Pipiti, il y a 10 cas kidnappés qui enregistrés dans la capitale chaque jour qui passait, d'après Pierre Espérance, qui fait qu'on est tout 130 personnes qui mourent dans le quartier Bel Air, sorti 27 février pour arriver et 3 mars passé. Le directeur exécutif au réseau national Cap Défense doit nous dénoncer au commandement PNH qui, d'après l'INA, acquittance à Gagnon, défenseur doit nous révéler la police retire toutes dispositions qui te prennent en torselle contre Gang Vite l'homme, le Sakiran, Gang Sapi à l'aise à chaque jour. Merci à l'IMRDIA, gang ça, gang base crasé barrière, vite l'homme innocent dirigé, mais c'est ça, on était déployé là dans plusieurs machines dans Mayotte, ils ont mis des faits dans sous-commissariat Mayotte. Divers citoyens qui t'ont vivent dans certaines localités, t'as coup Canaran, Corail, t'as coup équité Caillou, pour y'a pas victime en bas, mais groupe armé qui contrôle les zones ça, en pile dans yo, en pile dans déplacé à réfugié, dans l'église de Delma 75, pasteur Myrtille Thomas dirigé. Greffé qui sous 5e semaine a rapoussi dans toute juridiction de pays, d'après le président de l'association nationale greffé haïtien Martin Aîné, qui rappelait greffé au pas de jambe, qui est volonté pour camper travail, mais c'est plutôt mépris autorité à la revendication greffé qui la cause situation lui-même vient dégénérer comme ça. Le pas de greffe résident à l'hôpital général Port-au-Prince a pas poursuivre tout. L'hôpital général Oka est là sous 3e journée grève. Contacté lieu a préclamé traitement à Yé Tchalet avec l'aide nomination. Pour essayer
Alors qu'à diverses autres préfets, c'est le cas de quatrième paraître journal Méga Matin pour Matin, jeudi 6 avril 2023. Nous avons le régional avec différents collaborateurs. Nous connaissons que nous quatre traversons notre région métropolitaine à Port-au-Prince. Nous avons pour nous porter pour rubrique Capsule Santé. Nous connaissons combien de gouttes nous avons pour dollars américains et nous connaissons tout comment ça y est. Nous avons fait rubrique Primanger avec un collaborateur, nous avons Aristide. Et dans fait journal, c'est prêt à la rubrique météorologique journée avec un collaborateur nous, Jean Willer Sévère. Restez là, pas tout monter bout au radio, ou sur Radio Méga, journal créole pays, soit un plus gros réseau radio haïtien dans le monde là. J'ai toujours dit là, dans le journal Méga Matin, c'est nouvelle nobaye, nous retournons dans quelques secondes. Insécurité hier dans zone Mayotte, une zone qui est située dans la commune Pétionville, dans le département l'Ouest paysan, eh bien, les raxables qui se mettent gang crasé barrière qui gagne dans tête l'évité l'homme innocent, mais ils font pile des autres, tirer en l'air, et puis après ça, mettez différents antennes police qui trouvaient dans Mayotte. Hier après-midi, les raxables, yo débarqué dans Mayotte, dans la commune Pétionville, selon information, yo action Santa œuvre, gang crasé barrière qui gagne dans tête l'évité l'homme innocent, yo débarqué dans zone en plusieurs machines des machines ça yo qui gagne plaque service de l'État yo mettait différents dans antenne police qui trouvait la zone pour passer à action ça yo individu yo tiré en l'air dans toute direction dans l'idée pour capable si mais la Pérez dans mitan population la Mayotte gagne plusieurs photos qui prend plusieurs vidéos scènes d'amende qui sur réseau social yo habitant dans zone ça lancé SOS à la police dans le dépôt capable de repousser gang qui a assiégé zone. Yo fait connaître détonations gros âmes nous ça yo mettait au tétan des gars citoyens qui étaient dans le tout dans la boule 12 fief gang Carlo petit homme dit Timakak a pas dirigé pendant toute journée. On a continué bousquer information sur ça qui vit dans zone meilleur là pour capable continuer porter pour amis auditeurs. La fait connaître, c'est pas premier attaque nèg yo fait sous de Andy sous-commissariat ou bien de base police. En l'est là, soit dans Pétionville, dans Torsel, n'a pas appelé, eh bien, nèg yo qui te mette diffé, base crasé barrière ça. Vite l'homme innocent déjà dans sous-commissariat Peignan, songé. Et n'a pas appelé que c'était yon jour, ben deux jours après que DGA et la police à France LB t'aient annoncé opération Tornade 1. Eh bien, dans vendredi que DGA a annoncé ça. Dans dimanche, M. Baz Krasibaye, vite l'homme innocent dirigé, après le piqué diffé dans le sous-commissariat Peña, mais c'est un sous-commissariat qui était déjà pas de gagner en dadi et faire policier au Ladan, parce que il était déjà retiré tout ça qui était important là dedans. Mais il y a quelques matériels qui étaient arrêté, mais M. Théaline, son GIA, lui, mettait diffé, puis il était crasé avec des séries de Angelou, des séries de gros poids lourds qui ont été allés, ont été écrasés. C'était là. Même période de DGIP à Nachaté, là, c'est ton ad-là. Oui, exactement. Tout de suite après opération et puis ça t'est arrivé. Déjà, t'es lancé ton ad-là dans le cadre de la conférence pour la presse, dans la base, là, dans ce classique-là, dans vendredi ou bien dans jeudi, eh bien, dans dimanche, et suite à, alors, dans dimanche en après, alors, même comme si deux, trois jours après, oui, que M. Serrault t'a pris et t'a commettre action ça, dans ce commissariat à Paix. Nia et une songe qui en plus monde fait ça, t'es fait tout l'air, t'es dit bon, si déjà lui-même l'a lancé tonade dans la bouche, mais vite l'homme lui-même l'est passé en action. Alors c'est pour nous dire que c'est pas premier attaque les gars fait sous de commissariat, sous commissariat ou bien de antenne dans pays. Oui, ça c'est cas monsieur vite l'homme, mais ça puis l'autre côté encore nous connaît les gars même fait des attaques sous de sous commissariat de commissariat si tu apprends à la Tibonite, en alliant coup, que nous songeons comment que Neg et la Luxonne eux-mêmes te commettent action jusqu'à ce que tu es même rivé dans l'éteint la vie n'importe sept policiers. Bon, il y a qui dit, mais il y a qui sept, mais nous avons parlé de six policiers. Et, mais tout, c'est en réalité tout par rapport avec nous songeons et trois policiers qui étaient morts dans Métivier et une qui est censé disparaître jusqu'à présent, j'aime bien nouvelle de lui.
Mais c'est bon dit que base craser barrière vite l'homme innocent dirigeant mais je dis là mais toute alors majorité action qui produit dans l'ensemble localité qui dans Pétionville là par exemple n'a parlé de Diègue, Doko, Meyotte, n'a parlé de Malik, n'a parlé de zone marché Serradot, Vivi Michel avant-hier on changer ça qu'a je dis à qu'a faire une semaine c'est même dans zone Fort-Jacques tout Fort-Jacques Thomasin je dis à Fort-Jacques juillet Jacques Thomas, c'est fermé. Mais comme une excellence, il est mélangé avec Nectima, qui a qu'il semblait. Mais dans la limite, zone ça ou là, Torsel, où Joanne, c'est monsieur équipe, équipe Vitel Homme Innocent, base crasé Baya Cap opéré. Et une songe, à côté de ça, mais Nego fait un pile zac à criminalité. Une songe, ça a été passé dans cargo, dans tunnel, qui trouvait sur deux frères là. Nego, tout en pile monde. Mais Nego, t'es fait ça en signe de réplique avec population. De songer dans dimanche qui était touillé plusieurs métiers c'est plusieurs bandits oui il y a plusieurs bandits et puis après ça a été gagné après ça en représailles mais puis monsieur a été touillé plusieurs monde qui était dans camionnette puis a été mis 10 feux sous ça c'est autant d'actions nèg opposé opposé pile action toujours nous songer là nèg yo qui rentré dans même zone sans que c'était Malik ou bien Doko ou bien côté dans même zone ça yo nèg yo rentré dans après-midi nèg yo piqué différent pile machine et dans pile caille mais fait ça tout dans même zone Malik oui Malik yo t'ai fait ça oui avant même mais jeudi passé jeudi a fait 8 jours nous songer nèg yo envahi Vivi Michel et comment nèg yo comme des gars boule machine et même mettre diffé dans ensemble caille qui dans zone ça c'est pour dire que mais jeudi en là équipe base crasé barrière vite l'homme innocent monsieur yo non capable dit en partie il t'a semblé acheter Pétionville à l'argent comptant c'est me dire comme ça puisque et là Pétionville là nous connaît jeudi assez nous capable dit c'est plus gros anti force d'attraction et économique que pays a lui-même nous capable dit gagner un moment parce que c'est là nous gagnons autrefois on était capable dit t'es gagné de quartier résidentiel que yo t'es connu là dans le temps mais je dis et nous capable dit tout quartier t'es les quartiers résidentiels c'est dans le temps mais je dis yo pas de trop différence avec eux-mêmes, avec monde qui peut-être qui était soit dans Cité Soleil, soit dans Bad Bel Air, soit dans Bad Elma, soit dans Matisse Fontamara, parce que je dis, hein, zone ça connaît de moments très difficiles avec de nec armé. La boule tout, en l'air fort Jacques Taras côté ça yo, mais toute zone ça je dis, hein, yo, ça c'est et on t'a dit que contrôlé par de nec armé qui a opéré tantôt ses équipes Etima 4, tantôt ses équipes Vitelhom, mais on dit Pétionville. Et qu'est-ce qu'on fait là, je dis, hein, l'ISA c'est contrôlé par deux groupes armés, ça y est, et qui chaque jour cap commettre des séries de actions. Est-ce que gagner un dadi dans un moment attaque n'est fait sous ce commissariat ou bien en tête ça dans Mayotte? Est-ce que des policiers en dedans? Est-ce que tout est gagné en dit effet policier en dedans pour dadi peut-être ZAM, CAS, gilet, tout ça y est? Non, pourquoi qu'on est, il était avec autorité policière y est, pour que y même, soit à travers porte-parole qui s'est garé des osiers ou bien à travers DGAI, lui-même qui c'est France LB, qui soit peut-être si Yota, bon, peut-être ça qui arrive, et si ça travers une coordination de presse, j'en souviens qu'on soit texte à puis on t'a dit, mais ça qui gagne comme dégâts, ou bien rencontrer avec la presse pour t'a dit, mais ça que yo enregistré comme dégâts qui commettent dans attaque, nèg exam fait sous, on dit interne, bien sous commissariat, mais là, et une situation, et hier, qui t'est créé gros vent panique, la caille. Un pile monde qui t'a traversé. Tout oui. Trésor, c'est SOS que tu as placé. Là, c'est SOS dans le moment ça. Bon. Oui, c'était important, mais. On fait quand même. Mais le monde qui connaît les zones meilleures, c'est bon petit point. Elle dit, il n'est pas trop loin Péguyville. Il n'est pas trop loin Péguyville. Et c'est bon petit point. Des bonnes filles, soit sorti dans cette ville Pétionville pour passer par meilleur programme. Généralement, pile monde qu'on fait meilleur. Pour aller aux deux frères, pour éviter un embouteillage. Des gens qui font prendre Timon pour descendre Péguyville. Là, des gens qui font s'y virer. C'est ça, c'est bon petit poste là, on va passer. On comprend que l'église a tout priable. On ne peut pas prendre si nous faire l'autre dégât, mais il n'est pas trop loin Sainte-Ville, Pétionville, pas trop loin Péguyville. Nous prenons les oui, nous allons marquer pour ça, mais on a toujours fait un petit rappel ça. Ce n'est pas la première attaque, mais on a fait un petit rappel. Un petit rappel très important. On a songé, quoi c'était
2021. C'est en juin, 5 ou bien 6 juin 2021, on a changé. L'histoire n'a pas fait défaut, non, mais tu rappelles, ça n'a pas fait défaut. Les deux necs armés étaient attaqués plusieurs sous commissariat à antenne qui étaient trouvés en bas la ville. Nous changez ça. Les necs étaient attaqués et on dit sous commissariat, porte à antenne douya là. Jusqu'à présent, ça a fermé. Antenne douya là a été fermé. Pas la même. Et bon, voilà. Nous changez, été gagné. Non, c'est pour ça police qui était antenne ça, oui. Mais non, monsieur, quand c'est au certain de Mirabel, si je ne me pas trompé, mais nous sommes, voilà ça. Et nous sommes en train de négocier fait dans ce commissariat Portail Saint-Joseph, là, j'étais gagné plusieurs policiers jusqu'à présent qui disparaissent, que font mes pages, je ne sais pas. C'est pour nous dire que, bon, ce commissariat Matisse, ça fait mes. Ça fait quelques temps. Alors, ce n'est pas d'arriver, mais c'est pour montrer comme si que commissariat ou bien sous-commissariat ou bien antenne police, nous, a fermé pour raison insécurité. Qui l'a pour qu'à protéger vie à bien nous non parce que oui, les oui. Antennes les comme c'est que des policiers non antennes bien de policiers non sous commissaire bien non commissariat non zone ça dit que ou rassure que comme si vos protections à besoin dans le périmètre là et pour montrer que monsieur bon récemment hier soir c'est meilleur mais avant-hier là t'es gagné doit des gros dégâts qui enregistrés dans ce commissariat pour aller au Ghana. Nous songeons que t'es basé à la nouvelle côté la police t'es déjoué en tentative kidnapping et côté t'es arrivé qui paye on Nissan Patrol t'es remis avec alors il était dans ce commissariat pour aller au Ghana mais rapidement que police t'es retrouvé dans le commissariat Port-au-Prince n'est que alors bandio qui allait en renfort prend renfort qu'à attaquer ce commissariat. Bon heureusement comme attendez comme si on parlait de deux mondes qui étaient qu'à victime c'est policier dans le commissariat pour au prince qui t'a aidé mes policiers dans ce commissariat porte aller au Ghana. Ça veut dire que ça c'est pas une grande première et nous songeons tout dans titanien les négos t'as fait attaquer sur prison civile mesdames yo et nous songeons que avant même négos arriver dans prison civile mesdames yo n'a rappelé que et t'es gagné post titanien négos t'es entré là-dedans t'es mis du feu négos t'es même touillé on policier qui là-dedans oui t'es même metté du feu caillon yon policier quand yon policier dans zone là et puis après ça bon malheureusement à chaque fois situation s'est arrivé en dépit de intervention responsable pour dire yon pral reprendre contrôle que ce soit sous commissariat ou bien antenne ça a pas jamais arrivé fait et chaque fois sous commissariat ou bien antenne n'est pas attaqué et puis zone là tout pas gagné policier là-dedans. Voilà, nous avons nous tourner avec toujours question information et sécurité, la criminalité. Nous pouvons venir à l'école avec dossier ça. Nous pouvons venir avec l'état à l'école dans le journal là, causer qui est pour avec sanctions qui prennent. Mais bon côté, on dit ancien député, ancien président, chambre député à Gary Baudot. Mais en attendant, nous avons marqué pause dedans et puis nous retourner, nous avancer avec information qui est pour avec question sur insécurité ou bien la criminalité. En un pays. Nous allons continuer avec information, mais pas oublier de temps en temps, nous avons fait un petit coup de pied dans l'arrière avec collaborateur nous. Nous pouvons capables qu'on ait qui j'en saillé dans l'arrière. Mais nous continuons par information. Gain la police judiciaire qui souhaitait juge instruction Walter Wissier Voltaire décédé au mandat d'arrêt contre ancien ministre justice Maître Berthaud Dorcé. Pour forfaiture, trafic d'influence, association malfaiteur, un cas d'enquête sur importation illégale d'armes avec munitions via navire, Miss Lilian, 1er juillet 2022, et puis élargissement de suspects, Jonas Georges Akafritz, Jérélus par ex-commissaire, gouvernement Port-de-Paix Michelet, Virgile, enquête. Bureau affaires financières et économiques fait qu'on ait évidence existence communication téléphonique entre Berthaud Dorcé et Michelet avant, pendant et puis après navire Miss Lilian arrivé et puis après libération 6 juillet suspect monde qui était suspect en cas de garde à vue commissariat port de paix t'es gain évidence contact téléphonique tout entre Dorcé et Virgile pendant Virgile T en prison
enquêter yo selon socio fait connait yo dit gen conviction Berto Dorsé gen qui gen non le cité comme étant yon nan moun qui connecté avec gang te connaît très bien pour qui est zam ak munition bateau mislia te importé illégalement enquête la qui a cheminé comme dans commencement mars 2023 by juge instruction indiqué ancien ministre justice Berto Dorsé ben yo te wel nan primature 8 et juillet 2022 avec responsable direction affaires juridiques ministère justice Fritz Aubourg qui et Rolly évoqué dans le cadre de la libération Jonas Georges et Fritz Jean Relus. Monsieur Aubourg, depuis moment ça, lui ensuite, lui a quitté payant pendant le passé par plateau central, zone 15 juillet 2022. Yo, selon Socio Primature, t'es lâché depuis longtemps, ministre Berto Dorsé, bien avant Sanction Canada contre lui-même, avec collègue leader ministre. Intérieur collectivité territoriale, on fait référence avec ancien ministre Litz Kittel. Canada a raison pourquoi que Mounsayo utiliser statut mable yo na l'idée pour capable et statut mable comme élite économique en Haïti pour protéger puis permettre activité illégale gang criminel armé yo notamment ta coup blanchiment l'argent ak l'autre zak corruption gang sa yo ak patisien yo continue à terroriser population vulnérable en Haïti en toute impunité et puis yo précipiter crise humanitaire qui gagne d'un pays qui vini avec collègue qui réparait, yo commet tous acte violence inqualifiable contre population qui touchait puis qui empêchait prestation service essentiel à cacher à cheminement aide humanitaire toujours. D'après communiqué gouvernement canadien 20 décembre 2022, enquêteur Bafio par Guetta auditionné Berto Dorsé, littéralement dans le cabinet juge instruction Walter Ossier Voltaire qui t'étendait, enquêteur Bafio t'a acheminé question au juge là après deux tentatives infructueuses audition maître Dorsé selon un source ça qui t'est parlé avec journal Le Nouvelliste, enquêteur Bafio sous trafic fiques armes avec munitions en port de paix, un point d'entrée objet sous territoire national à permettre pour qu'on ait colis qui était saisi, été expédié by Marie Guirlaine estimable et qui est importateur là, c'est Wilfried estimable avec Eddy La France qui s'est distributeur là, juge instructeur Walter Ossier Voltaire est décédé, mandat contre Marie Guirlaine estimable, Wilfried estimable, Eddy La France, Jonas Georges, Fritz Jarelus avec Fritz Aubourg, Interpol est contacté pour faciliter l'arrestation dans un pays étranger. Gagné Jonas Georges, qui est un citoyen américain d'origine haïtienne, tout, inventaire saisi qui était fait dans le navire Miss Lily 1er juillet 2022, a été fait qu'on ait gagné 120 000 cartouches qui répartis dans 157 caisses qui ont été joints dans le navire Silla. Gagné 54 000 cartouches calibre 5.56 mm, 2000 cartouches calibre 9 mm, 4000 cartouches 7.62 mm, 2 pistolets 9 mm, un revolver calibre 38, 30 chargeurs AK-47, 20 étuis AK-47, 3890 dollars américains AK 814 344 goudes. Le Nouvelliste qui t'est contacté, Maître Dorsé, qui pas souhaité faire commentaire, cependant, il y a un source proche, ancien ministre de justice, qui fait qu'on est responsable, Bafio souhaité un mandat d'amener si t'as un excès bon côté responsable, Bafio, juge instruction Walter Voltaire, t'étendait Maître Berto Dorsé comme témoin dans le dossier ça, et puis souligner sous ça, qui l'était nié, ancien ministre de justice, t'es nié allégation forfaiture, trafic, influence, avec association malfaiteur.
Toujours, on a regardé dossier, question impunité, zak criminalité, tout ça honnête qui entrait dans même causé ça. Après, on finit d'aider, on dit information, ça bon côté, j'ai eu sévère. Mais nous, quand on vient avec information, ça, j'en ai annoncé le titre journal là. Après, pays Canada, les mêmes ont été fin sanctionnés. Ancien président, chambre député à Gary Baudot, mais toutefois ça là, c'est département trésor américain qui est même passé à l'action, qui sanctionnait ancien président, chambre Kipiba, Gary Baudot pour question corruption et il était déjà, j'en ai déjà fait objet de sanction bon côté autorité pays Canada selon ça a été dit côté Gary Baudot lui-même c'est un monde qui mais qui est impliqué dans un ensemble de scandales corruption et même tout non alimenté de nec armé en d'un pays. Office Offering Asset Control OFAC dans le département trésor américain annoncé mercredi qui était 5 avril 2023 que il prend sanction contre ancien président chambre député n'a parlé de Gary Baudot conformément avec loi Magnitsky sous responsabilité en matière de droits de l'homme pour implication que M. Taguien dans ensemble de vieux scandales dans le pays d'Haïti, surtout question corruption. Fonctionnaires corrompus comme alors, parmi tout, alors, faut parler des fonctionnaires, plaisir, mais, il dit, eh bien, M. Gary Baudot lui-même, l'été crié, ça n'est un environnement qui permet avec gang armée illégale et partisans lui-même, commettre, je dis à là, ça veut dire, alimenter, supporter, n'a pas moyen, avec de jeunes garçons, je dis à là, eh bien, moun sa yo, nek armé sa yo, eh bien, ils viennent à crier, ils viennent à poser des actions de violence sous peuple haïtien. Selon ça, qui déclarait, bon côté Brian E. Nelson, qui s'est sous-secrétaire d'État, Trésor, qui chargé question terroriste et puis renseignement financier, non communiqué comme était dehors. Pendant que le précisait,